Yop tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 sur la map terminale en domination 6v6, voilà. Donc dans cette partie, je t'accompagne de Future Tyson, donc dédicace à toi mec. Donc vous pouvez voir que c'est une partie assez bizarre, donc je me déplace à une vitesse assez fulgurante, je fais des sauts de 80 mètres et nous avons le radar toujours actif. Oui, nous sommes bien dans une partie hackée, je vous le confirme. Donc comme je vous ai promis, je vous avais proposé une nuque à la CR, donc sur M2V2, et dans la même journée, j'avais réalisé cette nuque là, donc dans une partie hackée. Et je vois déjà les commentaires qui vont me dire, ouais c'est trop facile, il y a le radar actif. Pas si facile que ça les gens, c'est pas si facile que ça, parce que là je vous ai mis juste le moment où je fais la nuque quoi. Parce qu'avant j'ai fait pas mal de séries, j'ai eu deux mitrailleurs, j'aurais presque pu faire la triple nuque. Mais franchement c'est pas si facile parce qu'en fait vous avez le radar mais les ennemis aussi. Donc ça devient assez difficile de survivre là dedans parce que si vous vous cachez et vu que l'ennemi il vous voit sur le radar, il va aller vous chercher. Donc faut essayer de les tenir au respawn avec le fusil mitrailleur, ce qui est assez difficile parce que vous allez pouvoir voir que quand ils sautent les ennemis, je ne peux pas les tuer avec le mitrailleur. Je sais pas, ça bug, il y a un problème. Donc voilà, je sais pas comment on fait. Enfin, j'arrivais pas à les tuer tout simplement quand ils sautaient en l'air. Donc voilà, j'espère que le gameplay en tout cas va vous plaire, même si pour vous ça a pas l'air très, comment dire, très spectaculaire. Mais franchement, vous avez vu les mecs comment ils sautent, c'est trop marrant. Les mecs, voilà, enfin c'est pas si spectaculaire que ça, mais c'est quand même une nuque. Et c'est vrai que ça change des nuques bah, qu'on voit. Là au passage j'ai eu super chaud, il était à côté de moi. Il y avait Tyson qui me couvrait. Au passage dédicace, hein, je sais pas si je te l'ai fait. On a fait pas mal de parties ensemble cette journée-là sur nous les deux. Et voilà. Donc aujourd'hui, donc celle-là, ce sera la première vidéo. Et je vous proposerai une vidéo un peu plus tard. Donc il y aura deux vidéos aujourd'hui. Donc une vidéo dans celle-là, je pense que quand vous la regarderez, ça sera vers... Enfin, celle-là, je la posterai vers... je sais pas trop vers quelle heure. Allez, je vais la mettre à 13h. Ou à 13h, je sais plus. Enfin, 13-14h. Et l'autre, je la mettrai vers 16-17h. Comme ça vous fait deux vidéos. Comme ça, ceux qui n'aiment pas trop MW2 ou qui n'aiment pas voilà, l'univers d'MW2, je vous mettrai un gameplay de Modern Warfare 3, donc une MWAP sur Xbox 360, à la CR ou à la Scarel, comme vous voulez. Là, au passage, il y avait un petit homme bleu, MDR. Vous pouvez voir que le décompte de temps, il est un peu chelou aussi, ça se finit jamais, enfin bref. Donc, comme je l'ai dit, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une MWAP, soit à la Scarel, soit à la CR. Mais franchement, je pense que je vais vous mettre de la Scarel parce que voilà, la CR c'est pas. Voilà, c'est. Tout le monde en a un peu marre de la CR, donc je me suis dit, allez, on va mettre la Scarel. Au moins, ça sera un peu plus diversifié que d'habitude. C'est un gameplay presque solo comme la dernière. C'est comme le plus de 100 kills sur BO2, j'étais juste accompagné d'une seule personne. Donc de Stan aussi, donc qui a joué avec moi toute la journée sur BO3, donc dédicace à toi aussi. Et voilà, donc là voilà. Nucléaire, je l'envoie. J'étais très content, même si pour certaines personnes il n'y a pas de mérite. Il y a le radar, il y a le super jump, il y a les déplacements rapides, tout ça. Voilà. Pour moi, franchement, allez mériter. J'ai bien joué. Donc voilà, je finis sur un 170-46. Donc un très bon score. Donc vous pouvez voir les scores en face hein, et on les a atomisés, on va dire. Enfin bref. C'était Blackbird HD, laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!